chose, mais ouais. Raconte-nous un petit peu ton émotion quand même, c'est énorme ce qui s'est passé aujourd'hui. Ouais, c'est dur à croire. Je m'attendais pas du tout à ça au départ, on avait un plan. Voilà, on pensait que ça allait arriver, il y avait de grandes chances que ça arrive au sprint. Mais on voulait que la course soit dure, pour c'est mieux pour nous, pour Wout, pour les sprinteurs et un peu mal aux pattes, comme on dit. Et voilà, on savait que le final était quand même dangereux, sinueux, et que ça allait être rapide. Et on était tout le temps à l'avant, l'équipe a fait un super travail. J'avais la liberté de pouvoir attaquer la dernière montée pour durcir la course, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, sauf qu'on était roue dans roue avec Wout et Primoz. Stibar était là aussi, mais il a lâché sur le sommet de la bosse. Oui, c'est vraiment... c'est incroyable. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est décidé un petit peu, qui allait gagner? Bah, c'est à 1 km de la ligne, Wout m'a dit c'est pour toi aujourd'hui. Voilà, c'est voilà, quelque chose de beau, c'est deux grands champions. Et voilà, c'est un beau cadeau qu'ils me font, on est en France, c'est Paris-Nice, il y a un maillot jaune à la clé. Donc voilà, c'est vraiment un beau cadeau de l'équipe. Et, voilà. Donc tu l'as là sur les épaules, ça fait quoi justement de l'avoir ce moment-là? Je ne m'en rends encore pas trop compte. je vais avoir un peu. Je vais profiter dans un premier temps, c'est pas tous les jours. On ne sait pas si ça va arriver encore. Et voilà, je vais surtout vraiment en profiter. Et voilà, je vais profiter avec l'équipe parce qu'on a fait un travail incroyable aujourd'hui. Et voilà, je suis vraiment très heureux. Je pense voilà, à ma famille qui doit regarder ça, ils doivent être heureux aussi. Donc ça me donne beaucoup de bonheur. Qu'est-ce qui a changé pour toi voilà, avec cette nouvelle équipe? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé justement? Ouais, il y a pas mal de choses qui ont changé. C'est une approche différente. Voilà, comme je l'ai dit, on a fait un stage de 3 semaines à altitude. J'avais jamais fait ça auparavant, 3 semaines de stage. C'est une équipe qui optimise tous les points, le matériel, l'entraînement. Donc voilà, je m'entraîne avec de grands coureurs, très forts, et ça me pousse vers le haut, ça me donne confiance. J'étais bien le week-end dernier, et aujourd'hui j'étais bien aussi, et d'avoir une équipe forte comme ça, c'est motivant, et ça pousse à aller de l'avant. Merci. Merci beaucoup.